promesse de moments magiques que nous partageons avec six anonymes, six fans qui rencontrent ce soir pour la première fois de leur vie le temps d'adieu, l'artiste qui leur fait battre le cœur. Et je suis toujours en compagnie de ma complice, Lara Fabian, et de Noémie. Alors, viens, on va rejoindre tout de suite Noémie, qui nous attend avec un petit regard... inquiet. Légèrement inquiet. Alors, tout à l'heure, vous étiez toutes les deux réunies pour interpréter, vous en souvenez, un très joli duo. Vous ne vous étiez jamais rencontrées. Ça va, Noémie ? Oui, je suis un peu inquiète, oui, effectivement. Bon, on y va tout de suite. Lara, je ne savais pas, j'ai appris que tu avais un autre métier à tes heures perdues. Ça m'arrive. Enfin, je le fais vraiment en dilettante, mais... Est-ce que tu le fais bien ? J'essaye. Enfin, il paraît. Il y a des personnes qui te diront dans mon entourage que je le fais pas mal. D'accord. Bah, on va poser tout de suite la question dans quelques instants à Noémie. Regarde ces images, Noémie. Prétextant le tournage d'un reportage, nous avons convoqué Noémie à Paris. Ce samedi après-midi, elle croit vivre son tout premier massage. Mais on ne lui a pas tout dit. Qu'est-ce que vous avez installé ? Très très bien. Noémie est prête pour son soin. Sa masseuse aussi. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Gabrielle. Bonjour. Détendez-vous. Respirez profondément. Lara soigne son accent. Noémie ne se doute de rien. Après quelques minutes, l'équipe lui laisse son intimité. Enfin, pas tout à fait. C'est étrange qu'il y ait des caméras. Un peu. C'est spécial. Oui, j'ai gagné un concours en fait. Ah, pour faire un massage? Non, pour chanter avec mon idole. Avec Lara Fabian. C'est une chanteuse? Oui. Une excellente chanteuse. Ah oui. Je connais, je crois. Je crois, je l'ai massée. Ici. C'est vrai? Je crois. Qu'est-ce que vous allez chanter? C'est une chanson qu'elle a chantée en duo avec Morane. Ah, j'y connais Morane. Elle aussi, elle est formidable. Je crois qu'elle est plus sympathique que Lara Fabian. Je pense pas. Je pense pas. Je pense qu'elles sont aussi généreuses l'une que l'autre. Après 30 minutes de massage, Noémie est complètement détendue. Lara peut enfin souffler. C'est moi qui ai besoin d'un massage. J'ai retimbré ma voix, j'ai fait ouch. C'est pas un exercice facile. Et puis surtout, je voulais pas lui faire mal. Je sais pas comment est-ce qu'elle a vécu ça. Vous lui demanderez. Et c'est maintenant que nous allons lui demander. Alors, Noémie, il était comment ce massage? Pour une première dans un institut de beauté professionnelle, c'était une vraie première. Alors, j'ai adoré ce massage. J'en suis ressortie vraiment détendue. J'ai trouvé que c'était justement ces points de compression, c'était formidable. Alors, il faut les recommencer parce que vraiment sur les mains. Ce que je faisais sur les mains et sur les pieds. Sur les pieds, voilà, les deux. Franchement, j'ai appris ce truc. On peut avoir des cartes d'abonnement ou pas? Parce que visiblement, ça doit être formidable. Je vous la conseille vraiment. Alors, on t'a joué un petit tour, évidemment. Lara, c'était vraiment stressant parce que tout aurait pu... Mais parce que j'ai parlé comme ça, j'avais la voix timbrée, je m'appelais Gabrielle, ouais. T'imagines ? Tu le fais très bien. Il y avait des moments où je me dis, forcément, tu reprends ta voix, c'est inévitable. Et j'ai failli à un moment donné. Et il y a un mec qui rentre qui me fait « Tais-toi !» Non, parce qu'il suffisait qu'elle se relève. Oui. Et c'était fichu. Mais on n'avait pas arrêté de lui dire, en aucun cas, tu ne dois quitter des yeux l'écran qui est sous... Parce qu'il y avait un écran sous. Oui. Là, on la voit comme ça. En fait... C'est pas très sympa. Et en fait, derrière l'écran... Merci beaucoup, d'ailleurs. Et ça va bien redorer mon image. Non, elle est magnifique, cette image. Et bravo, Gabriella. En tout cas, vous êtes très douée, non seulement dans la chanson, mais en plus dans le massage. Alors, c'est une belle parole. Que l'histoire, maintenant, va s'arrêter. Elle va continuer, évidemment. Elle va continuer dans toute la fidélité, mais il est maintenant temps, réellement, de vous dire au revoir.
Viens avec moi, Noémie. Viens là. Profitez de ce moment qui appartient encore à vous. Et rien qu'à vous. À bientôt. Quelque part. J'espère. Comme je dis toujours. Et merci pour ta générosité, Lara. Sincèrement. Merci beaucoup. À toi. Merci. Merci, Lara.